Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour préparer une toile ensemble qui me vient de chez New Omi. Donc j'avais fait un partenariat au mois de décembre. Donc là je pourrais pas vous dire le prix mais voilà. Donc on va la préparer ensemble. Moi j'aime bien faire des carrés de 10-10 sur ma toile et ranger les diamants avant de la commencer. Donc on avait les diamants en sachet ribambelle. On avait un toolkit mais vraiment de base. Moi, je préfère mettre la mousse sur les stylets, j'arrive mieux à travailler. Et donc, voilà la toile, on a 16 couleurs. C'est une 30 par 30. Mais est-ce que c'est la toile ou est-ce que c'est avec bord inclus, je ne sais pas. Ouais, elle fait 25 par 25, je pense. Oui, 25 par 25. Donc ça, c'est encore une toile que je ne pourrais pas encadrer, mais... On va la retourner un peu. Mon papier est un peu fripé quand même. Voilà, donc vous l'avez remarqué, je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est un pika-pika. Donc j'ai mangé du jaune et du bleu. Voilà. Par contre, les symboles, c'est un peu compliqué parce que ouais, il y a des E, il y a des arrobases, A, E. Alors il y a des symboles, c'est un peu compliqué, mais bon. Je vais y arriver. Hein. Là, c'est du AE, je comprends pas un peu. Il y a des pourcents, des Y, des J, des C, des B, des G, des E, des U. Ouais, c'est un peu des points, des slash. Enfin bref, on va y arriver. Ah, ben j'avais pas vu, il y a les deux côtés, la DNC. Voilà, donc celle-là, ça va être pour offrir de toute façon. J'allais dire, elle colle moins bien que les autres. Par contre, il est froissé, mon papier. En même temps, je l'ai depuis le mois de décembre en train de stocker. Donc, à mon avis, ça ne doit pas y aider. Donc, je vois que les filles, elles font des fois des... elles font des... comment ? Elles séparent la toile que quand c'est du papier qui n'est pas transparent, opaque. Mais moi, je la sépare tout le temps. Au moins, ça me permet... d'avancer carré par carré et de pouvoir le terminer. Purée, je ne sais pas si vous allez bien me voir, j'espère que si. Vous n'allez pas beaucoup me voir, hein, mais bon. Alors, je fais des petits traits de 10 par 10 sur la toile. Je fais une marque tous les 10 cm. Donc là. Hop, et comme ça, je vais mettre un peu de wash tape. 10 cm, puis là ça fait pas 10, ça fait 5, et je fais ça. Oui, je mets des marques sur ma toile tous les 10 cm, donc bien évidemment, je les mets sur le côté, hein. Et puis après, ben, je vais mettre du washi pour la séparer. Après, je pense que je suis pas la seule à y faire. Alors, une 10, alors ça, ça va être pour un ami. Et d'ailleurs, il faut que je reprenne une Pika parce qu'ils sont deux fans de Pokémon. Donc voilà. Par contre, je viens de me rendre compte que je vous ai pas mis en. J'ai pas été chercher mon washi, donc je vous mets sur pause et je vais le chercher. Voilà. Donc je prends du washi de chez Action. Enfin. Donc là, c'est pareil, les détails, j'espère que ça va aller parce que du coup, elle est pas très grande. En fait, au départ, mes DP, j'ai voulu les commander tout petits parce que comme je débutais. Et en fait, je pense que j'ai fait une bêtise. Je préfère mettre 15 jours de plus à la faire et qu'elle soit les détoiles. Les détails soient mieux. Mais bon, tant pis. Je vais les faire quand même. Et puis les prochaines, ben, je prendrai plus grand. Alors. Voilà. Donc là, je mets mon washi. Donc la vidéo, peut-être qu'elle va être un peu longue, je ne sais pas. Combien de temps elle va durer, parce que j'aimerais bien préparer les sachets avec vous aussi. Alors je tire doucement parce qu'il se casse facilement le washi chez Action. Voilà, et encore une là. Alors comme ça fait pas très joli, mais bon. Le résultat, j'espère, sera bien. Alors si on n'est pas droit, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour délimiter à peu près. Voilà. Ensuite, je fais pareil de ce côté-là. Voilà.
Oui, au moins. Alors, j'ai demandé à mon partenaire s'il pouvait m'envoyer un multiplaceur de 4, parce que moi j'en ai un de 10 et je n'y arrive pas. Ouais, c'est parce que je suis débutante ou pas. Alors, je préfère commencer par un 4. Parce que quand je vois tout le jaune que j'ai à faire, à mon avis, j'ai un carré là, c'est que du jaune. Je vais vous montrer. Me direz si j'ai le multiplaceur, ben, ça va aller vite, hein. Voilà. Donc là, je suis déjà à 5 minutes, ça va. J'aime pas trop les vidéos trop longues, j'ai pas envie que vous vous ennuyiez avec moi. Donc ça, c'est mon prochain DP. On en fera un carré ensemble. Voilà. C'est la première fois que je teste Miumi, hein. Hop. Donc voilà. Donc ça fait pas très joli, mais au moins, vous voyez le carré qu'il y a là, ça va être que du jaune. Bon, celui-là, il est tout riquiqui, hein. Je pense que le haut, je vais faire... celui-là, celui-là, ensemble. Après, je ferai celui-là. Puis voilà, j'avancerai carré par carré, mais je l'adore. Normalement, elle devrait pas être très longue, puisque comme elle est plus petite que l'autre, hein. L'autre, j'ai mis à peine 15-16 jours. Donc voilà pour ça, ma toile. Et du coup, je vais préparer mes petites boîtes. Alors, peut-être pas tout ensemble, je vous mettrai pause, hein. Voilà, j'ai enlevé mon ancien DP, mes anciennes couleurs, donc je vais en remettre. Si ça, j'en ai plus, bah, c'est pas grave, j'ai ma Dimo, donc c'est pas grave du tout. Donc, on a dit qu'il y avait 16 couleurs. C'est ça. Donc, on va aller de 1 à 16. 2, 3, 4, 5, 6. 4. Alors par contre l'autre, je vous préviens, si je commande une pâte patrouille, pouf, on a vu, il va y en avoir des couleurs. Avec tous les personnages de la pâte patrouille. Voilà, donc plein de couleurs. Vous voyez là, ils sont sûrs qu'il y a... Ah oui, la sèche. Donc on va commencer à préparer. Ça c'est le numéro 1. Hop, je prends ma petite boîte. J'essaie de voir si bon, ça commence bien. Dans le rouge, j'ai du violet. Bon, c'est pas grave. Le rouge, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez me dire, il n'y a que l'angle. La langue, un petit peu sur les oreilles et sur les yeux. Allez, on met tout ça là. Sans les faire tomber, parce que alors moi, voilà, j'ai Madame Catastrophe. Hop, on récupère ceux que j'ai fait tomber. Je suis catastrophe, moi. Je vais peut-être en faire trois avec vous là. Après, je vais les faire hors vidéo, puis je vous reprendrai après. On va y arriver. Voilà, j'aimerais bien m'offrir une petite valisette la prochaine fois, mais c'est pas encore d'actualité. Donc le 1. Ensuite, le numéro 2. Donc là, c'est un saumon. Le but n'est pas perdre de diamants, bien évidemment. Bon, ça c'est plus long, hein, la préparation de la toile, et puis c'est ce qu'il y a de plus long. Enfin, c'est ce qu'il y a de moins marrant. Disons le 2. Bon, je fais pas tout le temps des vidéos de la préparation des toiles, mais là je vous le fais, ça me fait plaisir d'y faire avec vous. Le 3. Alors le 4, j'ai deux sachets, peut-être qu'ils vont pas tenir les deux. Donc j'en mettrai qu'un et je vais en laisser un sur le côté là dans ma boîte. Le 3. Ça c'est pas la même. Non, non, il est plus foncé. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a un chien dans mon jardin, mais ma chienne elle est à la maison. Je vois un truc courir là depuis tout à l'heure dehors. Alors. Ouais, oui, il n'y en a que un qui tiendra jaune. Hein.
Il en reste deux. Donc, le 3. Voilà. Le diamant a l'air super bien taillé, par contre. Hein. Le 3. Alors, je ne vous ai pas montré les couleurs. Ça, c'est la couleur 1, donc du beau rouge. Là, on a un orange. Et en 3, on a un jaune foncé, un moutarde. Donc ensuite, le 4. Donc, comme je vous ai dit, les deux ne tiendront pas. Donc, je vais les couper. Voilà. Et moi, ce que je fais, vous voyez, je prends ma boîte et je mets là. Et la boîte ferme, ou alors vous le mettez au-dessus, mais voilà, comme ça. Je sais que j'en ai un là en plus. Et en plus, ils sont bien, bien chargés. Je suis sûre que un, ça sera limite. Hein. Voilà. Donc là, c'est le jaune hein, du Pikachu. C'est pour ça qu'il y en a autant. Vous allez voir qu'il va... Ah, purée. Bon, alors... Ce que je vais faire, c'est que le 4... Oui, je suis en train de faire une catastrophe, mais je fais en live. Hein. Ne vous inquiétez pas, les diamants, je vais les ranger. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux boîtes. Donc, vous voyez, des gros sachets, ça ne contient pas beaucoup. Hein. Désolée si vous entendez du bruit. J'ai des travaux vers chez moi, en face de ma maison. On va sûrement avoir des nouveaux voisins. Donc voilà, j'ai ramassé tous mes diamants. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le fond. Voilà. Donc là, je sais que j'ai du 4. Là, et on va mettre ce que j'ai fini. En plus, il en restait dans le sachet. Je vais en manger du jaune, hein, moi je vous le dis. Hop là. Donc du 4. Et donc là, je vais continuer sans vous. Donc vous voyez, j'ai un truc rempli là. Du coup, vu que ça débordait, j'en ai mis un tout petit là. Et ben, j'ai encore un autre sachet. Mais pour ne pas le perdre, je le mets dans la boîte. Peut-être je ferai deux boîtes de 4, je ne sais pas. Donc, beaucoup de jaune. Donc, je vais mettre pause, je vais continuer en vidéo. Je vous retrouve après pour vous montrer toutes les couleurs. Et voilà, donc je vous reprends, j'ai super bien avancé. Voilà, donc vous allez entendre du bruit parce qu'il y a vraiment des travaux à la maison. Donc je voulais vous montrer un peu les couleurs, il y en a du noir. Là, on a un petit orange dedans, je ne sais pas si vous voyez. Je l'enlèverai. On a un rouge saumon. Voilà, on en a un autre. Et il doit y avoir des jolis dégradés quand même. Parce que vous voyez, il y en a deux presque de la même couleur. Il y a ma couleur préférée. Il est juste magnifique, du bleu. Voilà, c'est pas du AB, mais trop trop beau. On a un autre bleu trois fois plus clair. On a du noir, donc ça vous connaissez. On a un petit rose. Du beige, voilà. Et donc on va faire les deux derniers ensemble. Donc nous avons le 15, donc c'est du blanc. Et là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Toc. Donc là, je tapote. Parce qu'il y en a qui sont collés. Et hop. Voilà. Donc, le 15. Après, il faut que je range tout mon bazar avec tous mes sachets. Le 15. Et donc, le dernier, la 16. Qui est juste ici. Bon, je vais peut-être couper un peu trop près, mais bon, on va y arriver. Toc, on tapote sans tout faire tomber. Là, c'est ma spécialité de renverser les poses. Voilà. Donc, on ferme vite avant que je le fasse tomber.
Et donc là, on en a encore ici. Du 16. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux pots, du coup, à la fin de ma boîte, pour mettre le 4. Du coup, je vais le mettre. Mais il va me falloir que j'ouvre deux pots. Ça ne va pas tenir dans un. Voilà. Et tout simplement, j'y verse dedans. Parce que là, alors le jaune, j'ai pas ouvert assez. Voilà. Je pense que je vais la commencer demain. Je vais faire deux carrés demain. Toc. Donc bon, je sais que ça sera le jaune, hein. Je vais pas me perdre, je ne remets pas de ticket dessus. Voilà. Et ça fait quand même 4 boîtes de 4. Hein. Mine de rien, 4 boîtes de jaune, ça fait 3 boîtes de jaune. Je l'ai là, là et là. Donc du jaune, je vais en manger. Mais ça, je le savais, c'est un Pikachu, donc c'est normal. Quand on voit la taille du Pikachu et du tout jaune à faire. Hop, je referme ma boîte. Attendez. Voilà. Et voilà, mon DP est prêt à être commencé. Tout plein de jolies couleurs. Un DP avec des parties déjà faites. Donc voilà, j'ai plus qu'à commencer mon diamond painting. Mais écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous me direz en commentaire si cela vous plaît. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.